Salut à tous, c'est Théo et Hello de l'atelier des Booktubeurs. Comme vous le savez, demain, c'est le week-end, ce qui vous laisse largement le temps de lire notre update lecture. La bande dessinée « Il est où le patron » des éditions Marabule est écrite par Maud Bénédicte et les paysannes en polaire. Nous avons invité deux de ces paysannes dans notre Booktube pour vous présenter ce livre. Bonjour, je suis Anouk, je suis apicultrice, donc éleveuse d'abeilles pour ceux qui savent pas. Et moi c'est Colline, je fabrique des fromages de brebis. On a voulu écrire cette BD de 178 pages pour témoigner du sexisme dans le monde agricole. Sans vous spoiler, la BD présente notre travail au fil des 4 saisons. On a choisi des scènes qui nous ont marquées par rapport au sexisme, comme avec mon mari qui pense que je fais des travaux plus simples parce que je suis une femme. Ou encore des réflexions sur les capacités physiques des filles. Un jour, un homme m'a dit que je marchais vite pour une fille et j'ai pas su comment le prendre. On remercie surtout Maud Bénédicte car sans elle, le livre ne serait pas là. Étant donné que le dessin, c'est pas notre point fort, on n'oublie pas non plus Jo. Elle a énormément participé à ce projet mais malheureusement, elle est malade. On remercie Colline et Anouk d'être venues et nous parler de ce livre. On va donc vous donner notre avis que vous attendiez depuis le début. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le livre. Il est très réaliste. Il dénonce un sujet important dans un nouveau milieu. Selon moi, c'est un livre très intéressant avec un combat important. Étant donné qu'il n'y a pas de suspense, c'est difficile de s'accrocher à l'histoire, plus particulièrement quand on est un homme, car on s'identifie moins au personnage. Cette vidéo est finie, on espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et un like. On se retrouve bientôt dans un unboxing si j'ai reçu mon colis. Sinon, ce sera dans un book haul à la fin du mois.